YouTube. Pardon, je rigole YouTube, parce qu'on reprend bien évidemment notre Die Surge avec Chewie, sympathique de New York, aimante, bienveillante, et les pulsions qui prennent que de bonnes décisions, n'est-ce pas? On résume, Noisette, Shoot et Arabella croquée morte et dire à un gamin qu'il est inutile. Voilà. Oui, mais nous, finalement, c'était pas ça nos objectifs. Nous, on devait s'occuper de ce qu'il y a dans notre cerveau. Voilà, donc c'est pour ça, je pense, que Chewie, voilà, elle est un petit peu... elle est un peu bougon, voyez-vous. Chewie est un petit peu bougon parce que, tout simplement... parce qu'on s'est pas occupé de notre problème de larve. Alors que là, on va parler à Nettie. Et ça va évidemment très bien se passer. Bien sûr. Bien sûr. Oh le plan sur le cul. Oh bordel. S'il te plaît, Chewie, sois gentil. Chewie. La vie est précieuse, Chewie. M'entends-tu? M'entends-tu? Vous en allez. Non, mais je meurs si c'est... 1, 2, 3, 4, 5. Vous rigolez, je compte un peu plus qu'un piaf quand même! Un gros gros! Ma vie est précieuse! Tu vas parler à l'oiseau, mais je peux pas parler aux animaux, sauf avec Shadowhorts. Alors, c'est très RP, hein, sans blague. Bon! Je cherche Nettie. C'est un bon début. Pour l'instant, ça va. J'ai besoin de soins, c'est urgent. Il y avait un dialogue spécial. Ah ouais? Ah bah je savais pas. Oh, si c'est encore pour faire du mal aux animaux, tant mieux que non. Hein, parce que ça va là, c'est bon. Oui, bah oui, oui, ça doit être ça, ouais. 1, 2, 3, il n'y a plus rien qui va chez moi. Les vertiges, la perte de mémoire, le parasite illitide. Ah oui, on va clairement lui dire tout comme... Ah bah oui, bah disons-lui tout comme ça. Oh waouh, je pense qu'on peut pas être plus clair, Nettie. Hein. Tu voulais de la sincérité, on t'a tout dit là. Vous savez quoi, laissez tomber, je trouverai quelqu'un d'autre pour m'aider. Non. Les dés décident. Les dés décident et ça se passe bien. J'ai pas envie de parler à l'oiseau, du coup j'ai trop peur. J'ai trop peur s'il y a un truc. Non, ça va, ça va. Darker Joker, hein, pour... Ah, moi, elle peut assassiner qui elle veut, mais pas toucher aux animaux. Hein. Merde. J'ai mes limites. J'ai mes limites. Bon. Ah, Nettie. Comment ça va? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Moi qui croyais être un cas isolé, tout le monde se fait capturer par des flashs géants de nos jours. Alors je viens de me poser, mais you know, même moi j'y crois pas que ça se passe bien. C'est vrai que ça se passe pas bien. Pitié, Chewie, ne lui mets pas son bâton dans son cul. S'il te plaît... Sois conciliante, Chewie. You don't have to be here for this. I will remain. I have a vested interest in the outcome. Oh bordel. All right. Let's see what we can do. Oh bordel. Oh bordel. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Elle peut m'aider? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. S'il te plaît, Chewie. S'il te plaît. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Pas particulièrement, non. Je veux juste que ce truc sorte de ma tête. Nothing? You sure? Attention, Chewie. Attention. Tu entends son? You sure? Because if you don't tell me the truth, I pick you with my baton.
n'aime pas du tout le ton qu'elle emploie. You're sure? S'il te plaît, Chewie. Respire, ça va bien se passer. Oh bordel. Eh bien, si quelqu'un d'autre a une larve, je peux fusionner mentalement avec cette personne. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How did you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Oh merde, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. Of course I am. J'ai tué des écureuils pour moins que ça. C'est vraiment le mal incarné. Non mais je crois qu'on peut la remettre quand même sur le droit chemin, d'accord? Je sais pas, je viens pour ainsi dire tout juste de me réveiller dans cet état. Oh oh. Oh oh. Give me your arm, please. Merde! Je lui ai pas dit la vérité, du coup elle va me piquer avec son bâton? Alors Chewie, s'il te plaît, père ou impair? Père ou impair? Impair. Bah c'est parti, hein. There. Be careful. Your legs will probably give out first. Elle va me buter. Oh, j'essaye avant d'aller la voir, donc ça va, mais... mais genre, mais qu'est-ce que c'est que ça remet? Maybe Master Halsin j'ai jamais fait ça. But I can't. Without him here, the elle va me buter du coup. Je vais vraiment mourir. You're a risk to the people around you. I'm truly, truly sorry. For what it's worth, the poison is painless. C'est le karma, Chewie, c'est le karma. Going to sleep. Oh bordel, oh bordel. Examiner la branche dans l'espoir d'identifier le poison. Ah, Chewie. Oh putain, puis en plus elle fait des jets de merde, alors là... Alors là, so long. Oh, so long. Oh bah c'est... Oh merde, en plus on n'a pas Astarion Leclerc dans le groupe. Père ou... Je peux... Non mais vraiment, je vais pas juste m'en aller. Un père. J'ignore ce que c'est que cette saleté, mais vous avez intérêt à avoir un antidote. I can't risk you turning. You kill us all. Oh bordel! Oh Chewie, calme-toi. Respire, Chewie, respire! Donnez-moi ce foutu antidote! Bon sang! I won't. I can't. Oh putain! Oh putain! Oh putain! C'est un peu tendu. C'est un peu tendu! 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez pas faire ça, je dois parler à votre chef! S'il te plaît, Chewie. Mais non, mais frère, fais un effort sur les dés aussi! Je pense qu'on devrait dire que si j'utilise un dé d'inspiration dans le jeu, ça me l'enlève de mon cumul de dés. Mais ça risque d'être chiant si vraiment je peux jamais les relancer quand on a des échecs. Est-ce que ça vous va? Si on modifie juste ce truc-là en mode « Il m'en faut toujours 3 pour moi avoir un dé d'inspi, mais si j'ai envie de pas en prendre un, je relance et il comptabilise pas dans les 3 qu'il me faut, tu vois. » Parce que là, sinon, je me dis que ça va être chiant avec les échecs. Qu'on puisse se laisser une chance, quoi, parce que... Mais il va falloir vraiment tenir le compte de mes dés dans ces cas-là. Mais ça vous paraît legit? Je pense que ce serait peut-être plus équilibré pour qu'on réussisse à s'en sortir un peu, parce que sinon, à mon avis, vraiment... Il y a des fois où ça va être trop compliqué. Oh, bordel. Bon, allez, vas-y, je relance. S'il te plaît, Chewie, fais un effort. Merci. Ok, donc j'ai perdu...
Je vais me noter. On va aller calculer combien on en a après. Hein. On va aller calculer combien on en a tout de suite derrière. Oh, s'il vous plaît. Merci Nettie d'avoir été raisonnable. Master Halson did say the drow's tadpole was dormant. Maybe yours is too. Now this is a vial of wyvern poison. It's quick and painless. Swear to me you'll swallow it if you feel any symptoms. C'est hors de question. Alors, s'il te plaît, Chewie, accepte. C'est un 16. Bah non, hein. Sorry, but I can't. You're too dangerous. By rights, your teeth should be falling out and your skin turning gray. I don't know why you haven't changed, but I can't risk you suddenly turning into a mind flayer. Chewie, tu ne nous aides pas. Tu ne nous aides pas. Je suis en train de crever. Au seuil de la mort, début d'infection toxique. Ok. Est-ce que Gale peut aller lui voler les poches, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lui prendre son putain d'antidote? Take a closer look. Stop it. I know you want to help her. But I can't let you find the antidote. Non, mais c'est pas ce que tu crois, enfin, Nettie, c'est pas ce que tu crois. Quoi? Putain de merde, les gars, faut l'attaquer. Alors, je propose que par précaution... C'est fermé? Oh, c'est super que ce soit fermé. Est-ce qu'on peut pas plutôt essayer d'aller lui voler avec Château? Mais c'est pas possible. Mais on peut pas. On peut pas être aussi méchant. Mais ça va, ça. Ok, faut juste qu'on réussisse à faire en sorte qu'elle ne puisse pas prévenir les autres, d'accord? Je suis bien fortement navrée, Nettie. Pour ce qu'il va se passer maintenant. En plus, Chewie est pas dans le fight. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'elle peut l'immobiliser? Ce serait super. Oh fuck, ça n'a pas marché. Tabasse-la alors. Ok, et les ailes n'étaient pas dans le fight non plus. Les ailes, est-ce que tu peux faire quelque chose comme ça, toi? Les ailes. Oh, elle lui a mis un crit. C'est bien les ailes. C'est très bien les ailes. Refais-le! Je suis tellement désolée, Nettie. Nettie, tu sais, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis certaine qu'on va bien s'entendre, hein. On va bien s'entendre. Non mais je peux pas l'assommer, elle va finir par le savoir. Ouais, je pourrais rester en passif, vous voulez dire, genre. Mais non, mais parce qu'elle va me faire la guerre quand je vais revenir, c'est sûr. Non, là, il faut que juste on l'assassine. Non, c'est malheureux, mais c'est une décision de groupe. Je pense que si je passe en passif, à mon avis, quand je reviens, elle me démonte, non? Mes amis? Ah bah non, toujours pas. Toujours pas d'amis. Je suis un peu embêtée. Putain, il lui reste vraiment un PV. Si elle arrive à se barrer. Voilà, je vais la pousser. Voilà, casse-toi. Oh, s'il te plaît, arrive pas à te barrer. Arrive pas à te barrer. Barre pas, te barre pas, te barre pas. Oh! Représailles infernales!
prudent reaction, if somewhat lacking in curiosity. Non mais après tout c'est une Dark Urge, c'est vrai ça. Alors du coup, s'il vous plaît, je peux avoir l'antidote. Bois-le. C'est une Dark Urge, bien sûr que c'est... Il est où mon parasite? Eh oh! Il est là? Ah, il est là. Non? Attends, on l'a pris? Où il est? Mon parasite! Oh, on l'a cassé? Non. Non, il est là! Il est là! Tout va bien! Il a juste été un peu poussé, mais tout va bien. Alors, je propose... Putain, elle est trop lourde, tu peux pas la ramasser. Qui c'est qui a beaucoup de force? Shadowheart! Merci Shadowheart, il faut faire disparaître l'épreuve. Merci bien. Nous devons faire disparaître l'épreuve. Nous n'avons jamais été là. Avez-vous... Non! Nous n'avons rien vu, hein. Vous avez vu quelque chose, vous? Je... Nettie va donc rejoindre Arabella et Noisette. Non mais... Moi je pense que... Si elle a essayé de m'agresser, pour une fois c'est que de la légitime défense. Vous voyez, c'est pas vraiment... C'était de la légitime défense. Moi je suis pas vraiment responsable, le chat. Vous avez vu que moi je voulais pas faire du mal. Elle m'a attaqué, elle m'a empoisonné. Bon, Chouï a été têtu comme une mule aussi à pas vouloir accepter. Mais bref, nous on a essayé de faire le bien, le chat. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Hein, nous on a finalement fait ce qu'il fallait, d'une certaine manière. Étrange, mais quand même. Nous avons. On n'a même pas parlé. Putain. Alors, maintenant. Putain les gars, on a Bobo par contre. Faisons un petit court repos et... Putain, elle nous a démonté avec sa vague tonnante, cette... Maintenant, je propose... qu'on se mette tous un petit peu à couvert. D'accord? On va partir d'ici. De manière... Pourquoi c'est verrouillé? Je suis vraiment enfermée là-dedans, là? Faut que j'appuie sur la caillou? Toute seule à la fin, arrêtez, Gale. S'il te plaît, Gale, est-ce qu'on peux crocheter ça ou pas? Attends, parce que... Non, mais c'est pas grave, j'ai une solution. Oh, putain. J'ai une solution... Elle avait pas la clé dans ses poches. Clé des anciens. Branche de bandeau des druides, transmettre des générations. Ouais, j'ai la clé, ouais. Évidemment. Salut Astérix. Boulot fini, je reste avec vous. Ah, let's go. Ça fait plaisir. Comment va? Du coup, partons très très vite d'ici. Hein. Shadowheart, tu fais attention à ce que le corps de Nettie ne tombe pas par terre pendant qu'on se barre de manière indiscrète. Oh, je suis horrifiée. Ouh, bonjour, au revoir. Passez tous une belle journée. C'était lui, mais ça va, on est bien. Oh bordel. Oh là 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 là. Speak, ouais, pourquoi pas, hein. Ah bah non, je me casse. Vraiment un plaisir, hein. Un plaisir, en vrai, attends, je suis en train de réfléchir à par où on va aller. Ah mais non, on va aller dire au... On va peut-être aller dire la triste nouvelle aux parents d'Arabella. Mais après, peut-être, finalement, ils sauront voir le positif dans le négatif, tu vois. C'est... Moi, je pense qu'il faut essayer de leur ouvrir les yeux là-dessus. Et après, on va aller voir Alphira, bien sûr. Évidemment, alors... Unless you have news of Arabella, I don't want to hear it. Est-ce que vous êtes bien sûr de la prononciation de votre phrase?
Est-ce que vous teniez beaucoup à votre fille? Cette histoire ne me regarde pas! Putain, mais... Chewie, s'il te plaît, sois... des pincettes. Des pincettes! Je refuse de m'en mêler davantage, c'était une erreur. Oui, terrifiée, c'est pas le mot que j'en... Elle doit être terrifiée! Mais putain, Chewie, porte tes boules! Dis-lui qu'elle est décédée, bichette! Putain, mais quelle horreur! Je... Non, mais on va avoir aucun allié, hein. Voilà, c'est ça qui va... Encore des écureuils, putain, éloignez-vous! Fuyez, pauvre fou, fuyez! S'il te plaît, Chewie, sois gentil avec Alphira. On adore Alphira. Chewie! Chewie! S'il te plaît! Elle est en compagnie de Nettie, ne vous en faites pas. Chewie, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Ça manquait un peu de raffinement. Ok, ça va, c'est acceptable. Oh bordel. Oh putain. Est-ce que ça va? Ça va! Ça va, ça se passe! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va? Chewie, tu t'en sors très bien! Bravo, continue comme ça, c'est super! Et merci beaucoup, Zoufa, pour le sub! Le 14e mois déjà, merci beaucoup! Ça va très bien, et toi, comment vas-tu? Merci pour le soutien, merci beaucoup! Oh, s'il te plaît, Chewie, s'il te plaît, sois gentil. Oh putain, feriez mieux d'échanger celui contre une arme, vous allez bientôt en avoir besoin. Violence doesn't fix everything, you know. Ah gros gros, après c'est RP hein. Et toi comment va? Ça va. Ah nickel Zoufa, merci encore pour le resub, pour le soutien, merci. Non, oh, t'as raison Alphira, mais qu'est-ce que je t'aime, s'il te plaît. Écoute-moi bien Chewie, il est absolument hors de question. Il est absolument hors de question que tu fasses ça. Hors de question. Chewie. Non, 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 non. Alors laissez-moi vous aider à terminer. Merci, Chewie, merci, merci, mais... Oh putain, merci. Elle a finalement l'âme d'une artiste. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oui. Oui. Oh là là. Merci, Chewie. Voyez, on réussit finalement. Petit à petit, on l'a fait devenir quelqu'un de bien, d'accord? Quelqu'un de bien... C'est parti. Vous en allez. Chewie, on était en train de se faire une amie. Tu peux pas couper court à toutes les conversations avec les gens que tu croises de cette manière, Chewie. C'est un petit peu trop... C'est un peu trop brut, Chewie. Mais Chewie devait savoir jouer du luth. Elle l'a trouvé en luth. Elle devait savoir jouer du luth. Souffle sur le dé pour qu'il tourne encore. Oh. Oh non, Looms. Oh, 3. Donnez-moi le luth, je vais vous accompagner. Oh. Oh, quelqu'un a soufflé sur le dé. Non mais on peut, si on paie dans toute cette violence, on peut s'offrir un petit moment de douceur. Ça se trouve, Chewie, elle va pas savoir jouer de toute façon. I'll start from the beginning. Fermez les yeux, le... Oh, c'est fou. Merde, on est obligé.
obligé d'écouter la douce musique. Oh. Si seulement personne avait soufflé sur ce dé. Oh. Oh putain, elle peut encore dire j'ai... Mais putain de merde. Mais c'est pas pour... Oh. Si quelqu'un peut souffler sur le dé, s'il vous plaît. Soufflez, vite fait. Soufflez sur le dé, c'est encore un sac, soufflez. Faut encore souffler. Faut que vous soyez plusieurs à souffler, sinon ça va plus marcher. Soufflez fort, si vous soufflez très fort, très très fort. Très très fort là. Ah, comme ça là. Oh. Mince alors. Ah, mais faites pas d'efforts. Interesting. Why don't we try again? Je le lance, mais... Ah, mais c'est pas possible! Oh, fou! C'est quoi cette manie de faire des 5? Bravo, bravo Chewie. Oh, c'était si sincère et tellement inné, sans aucune préméditation, c'est si beau. C'est... Oh là là. Encore un 5, c'est un truc de fou. 1, 2, 3, 4, 5, vous n'avez pas de raison de vous excuser, mais il manque encore quelque chose. Bravo Chewie. C'est le premier pas vers le fait de devenir quelqu'un d'humain. Du moins de bienveillant. Merci pour ta gentillesse, Chewie. Merci. Didn't hear the noise coming. There was so much blood. Je crois qu'on a notre première amie. Je veux pas m'avancer. C'est la première personne avec qui on réussit à avoir une conversation, hormis nos compagnons, qui ne finit pas dans le sang, dans la violence ou dans la mort. Bravo à tous. Bravo. Et là, j'ai que des choix gentils, regardez. On y va sereinement. Toutes mes condoléances. C'est... Chewie, je suis si fière de toi. Je suis si fière. That itch to perfect a song. Bravo. Keep the lute, please. Elle va devenir une personne nouvelle. The weeping dawn will be my gift to Lihara. Oh bordel. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Je comprends. Too sweet. Odiously sweet. The vomitous gall within. Non. Non, arrête la pulsion, ça suffit. Non! Je sais jouer. Pitié, oui. Attends, Elfira. Attends, on va jouer ensemble. Chewie et Bard! Oui! Bravo à tous! Félicitations! Bravo, je vous serre la main. Ce fut un travail de souffle. Voilà. Écoutez-moi bien. Pour cette triche. Quelque peu vis-à-vis des règles. Légèrement. Je m'engage. À mettre au moins un niveau de barbe à Chewie. Pour rééquilibrer. Peut-être. Si cela vous va, pour ceux pour qui vraiment. Voilà. C'était très dur. Vous avez été parfait. Parfait. Super. C'était super.
Voilà, je m'engage pour ceci. Parce que vraiment, la vanne était trop drôle. Je me désabonne. Arrête, Zach, arrête. Regarde, je négocie. Ça valait le coup pour pouvoir faire de la douce musique avec Chewie et peut-être enfin avoir une amie, bordel de merde. Oh là là, je ne regrette pas. Oh, c'est magnifique. Bravo, Alphira, bravo. Bravo. Non, là, il n'y a eu que de la gentillesse. C'est merveilleux. Qu'est-ce que... Que faisons-nous? On va peut-être pas aller Warpy de suite, là. Hein. Je suis en train de réfléchir à où est-ce qu'on va et je suis en train de me dire en vrai... Alors, Nettie, elle aurait probablement fini par nous dire d'aller voir Alcine. Hein. On en est tous témoins, bien sûr. Vous savez, je le sais. On le sait, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va... vraiment tuer. Mais Nettie, c'était de la légitime défense. Faudrait aller chercher Karlach. C'est pas à côté, Karlach. On peut peut-être essayer de passer voir Raphaël. Je crois que Raphaël, il est par là. On va sortir du bosquet, on va explorer un peu. Si on peut, on va aller chercher Karlach. Je crois qu'on peut en plus en passant quelque part. On va essayer d'aller se trouver un petit peu des combats et tout aussi, l'air de rien. Comme ça, on ira faire un long repos, on changera de groupe, tout ça. Enfin, on va avancer, voilà hein. C'est à qui qu'elle parle? Ah, c'est à Lizelle, évidemment. Arrêtez de vous battre! On pense à notre chère Nettie. Bien sûr, on ne l'oublie pas. Hein. D'ailleurs, je pense que on devrait garder un souvenir. Je viens d'avoir une idée horriblement diabolique. Est-ce qu'on devrait pas garder le cadavre de tous les gens de qui la mort on est responsable? Quelque chose dans le genre. Je suis pas sûre que ce soit possible en vrai, mais... J'entendais non qui me dit rien, mais c'est dingue, hein. C'est fou, hein. Comme ça, on pourra leur faire un honneur dans le camp, tu vois. Voilà, on pourra leur faire un petit hôtel, finalement. Faut qu'on aille chercher Noisette et Alphira. Allô, le jeu? Allô? Ah. Ah, ok, bon. J'ai eu un petit freeze. Ouais, ça vous plaît comme idée? Bon, ça va. Comment ça, Alphira? Comment elle s'appelle? Ah, putain, c'est comment la pute? J'ai déjà oublié la pute shot. Je l'ai oublié. Elle m'est sortie de la tête. Putain. Adira? Non, Adira, c'était dans... C'était dans... c'était dans Kena. Arabella, Arabella, pardon, pardon. Je l'ai déjà oublié. Elle est décédée. Je l'ai oublié si vite. Je l'ai oublié si vite. Putain. Ah, bonjour. Encore une belle rencontre. On oublie vite le nom des enfants qu'on laisse mourir. Pardon, 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 pardon. Pardon. C'est ok. Respecte même pas son nom. Et sinon, oh regardez, Raphaël, bonjour, qui êtes-vous donc? Oh, qui êtes-vous donc? The mouse smiled brightly. Mignon, elle se balade avec son doudou. Oui, oh là là, ouh, Raphaël, grou grou, ouh là là, pas content. Regardez donc, un nouveau personnage, nous le croisons. Ah, c'est lui, Raphaël, c'est bon, je me souviens, c'est bon. tout va bien, c'est lui, tout va bien. Enchanté, hein. Bien sûr. C'est marrant que je l'avais croisé sur la route. Ouais, si tu avances trop loin, enfin, hors de cette zone-là, sans être passé par là, il te pop à un moment donné, dans tous les cas, en gros. Alors. Ah oui, non, attends. Oui, si, c'est ça. 4. 1, 2, 3, 4. Voilà qui joue, me lui m'en dit, mais si vous voulez me menacer, inutile d'enrobosser de belles paroles. Ouais, 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 hein. Ça sert à rien d'utiliser des jolis mots. Hein. Menace-moi directement. Et lui, on tue. On va peut-être pas tuer tout le monde. Hein.
Les dés décident déjà suffisamment de nous faire tuer des gens. Oh bordel. Oui, bah oui. Middle of somewhere. Quelle tenue. Elle est parfaite. Alors. J'ai laissé m'aider. Non, ils sont là. Joli décor, hein. Ouais. Très joli, magnifique, magnifique. Un house of hope. Oh là là, très impressionnant, monsieur. Les déplises, on va manger. J'avoue, ça irait tellement bien avec Chewie en mode elle s'emballait qu'elle va se servir à bouffer. Salut Anaïs, ça va? Comment vas-tu? Ça fait très BDSM dans cet endroit avec cette tenue. Ah bah la tenue de base partout, hein, finalement. Oh oui, l'ignorer, remplir son assiette. Pitié. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merde. Toute cette mise en scène va-t-elle nous mener quelque part? Ah! Dommage. Je vais se faire des idées, Raphaël, tu crois? Oh, je suis pas sûr, hein. Je crois que c'est pas que ce soit ça qui l'intéresse de moi. Gros plan sur le cul de Chewie. Heureusement, c'était caché par les dés. Tout était prévu. Après, il est très stylé. Hein. Imaginez, il y a un monde où quand on lui parle bien... Ouais, j'ai dit qu'on essayait de pas spoiler trop loin, en vrai. Ouais, par acte, on va essayer de se focus par acte. Mais acte 3, il nous propose quelque chose. Imaginez, les dés disent oui, tu vois. Bah voilà. C'est un truc que j'ai jamais fait, en plus. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin d'être sauvé? Oui, tout va bien. Vous voyez pas comment j'ai besoin de personne? J'ai tellement besoin de personne que je tue tous les gens que je rencontre ou que d'une certaine manière, par ma présence, ils finissent par mourir. N'est-ce pas? Oui. Hein. Alors, débarrassez-moi ou je vous tue. Bah voilà, ça ressemble bien à Chewie, ça. Gail approuve et les ailes approuvent. Incroyable. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Je vais vous arracher votre langue de vipère. Non mais c'est RP hein. Yet another piece of pleasurable anatomy you'll soon have to do without. All those pretty little symptoms. On a deux chats pour aller à l'acte 2, on fera par les dés. Je sais pas si on fera par les dés ou si on fera les deux de base. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à voir et d'un côté et de l'autre que je me dis que ça peut être intéressant avec les interactions. Et comme dans notre première run, on n'a pas vu l'un des deux, dans tous les cas, j'aimerais bien y aller. Eh ben, au revoir Raphaël! C'était super, hein! Quelle belle rencontre! On a passé un super moment. Oui, ça ressemble bien à Chewie, ouais. Là, pour le coup, c'est ok, c'est des décisions logiques. Tu vois. Par contre, vraiment, son. Range ce putain de lutte, on le sortira de temps en temps, mais range-le. Qu'est-ce qu'on a de beau? Un chapeau, super! Si on fait une inspiration de barde, on va le garder pour Chewie quand elle sera un peu barde, du coup, pour m'excuser de ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai une tentacule en bouteille? Je sais pas, mais j'ai une tentacule en bouteille, c'est super. Super. Pas retenu grand chose de cette conversation, c'est pas très grave, on va s'en remettre. Alors. Ok, pour l'antif qui donne assistance. Ah. Par contre, le truc qui donne assistance, c'est pas si mal ça en vrai. Donnons-le à les ailes, évidemment. Les ailes qui est druide, bien sûr. Je sais même pas si elle a pas déjà assistance en tant que druide, mais bon. Tio!
tiens, tiens, une crevasse rocailleuse. Oula, attention, attention. Ah, père ou impair ? Allez, salut. Je te comprends, Chewie. Moi non plus, j'aurais pas mis la main là-dedans. J'aurais rien mis, hein. Merci beaucoup, Blue Game, pour ton follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, comment on va ? Non, non, moi non plus, j'aurais pas fait ça, hein. Non, non, moi je la comprends, c'est legit comme... non, non, c'est un choix... C'est l'une des décisions qu'a pris Chewie. Les plus logiques jusqu'ici. Bravo. Bravo, bravo. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Allez, descendons un petit peu plus bas. Ivy, descends de là. Dépêche-toi, descends. Dépêche-toi. Tu descends. Ivy. Descends. Ça suffit de monter sur le meuble. Ce c'est quoi ces manières? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu vas détruire mon décor. Oh, Blue Game! Mais merci beaucoup pour le Prime! Incroyable! Le follow, le sub derrière, incroyable! Merci beaucoup, merci pour la confiance. C'est trop gentil, merci beaucoup. Comment va? Bonsoir et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Pardon, je devais m'occuper de... d'essayer d'avoir de l'autorité sur cette créature du démon. N'est-il pas? Est-ce que tu trouves que j'ai de l'autorité? Ça ressemble à un nom. Aïe. Aïe. Toujours pas. Merci beaucoup, merci énormément. Ouh, waouh. Tu m'as mordu. Démon. Alors, pardon, on était en train de marcher. Oui, c'était là. Jusqu'ici, tout va bien. On s'en va, on continue notre route. Moi, je pense que les choses vont bien se passer. L'autorité? Oui, vous y croyez? Ça me paraît évident. Non? Non. Ok. Eh bah, tant pis. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a là. On pourrait peut-être vite fait aller là. Si quelqu'un ouvre la porte. Ouais, ouais, c'est pas mal, ça. Ivy! Streamer de l'autorité. Ah, bon? Comment ça? Ah, mais ça, c'est... Attends, c'est quel côté, là? Ah, non, mais ça, je ferais peut-être mieux de le faire dans l'autre sens. Non, je sais plus. Ivy! Pardon, je vous crie dessus, mais elle est en train de me mordre les pieds. C'est désagréable. C'est désagréable! Chat! Ça suffit! Druid magic. Arrête! Druide magique, bah vas-y, Gale. Ah non, c'est pas toi le druide, c'est les ailes. Les ailes, vas-y! Ah ouais, ouais, si, y a des gens à taper ici. Oh, attends, c'est où le... Elle est où la commande? Elle est là. Curious. Oh, bordel. Attention, un fight en approche. Allons-nous nous en sortir? Moi, je pense que oui, hein, évidemment. Évidemment, ça va trop bien se passer. Hein. Qui c'est qui va attaquer en premier? Ça pourrait être Gale, hein. Gale est son super point vénère, là. Vas-y, Gale. Voilà! Hop! Ouais, bah, moi aussi, j'allais discuter, hein. Ouais, 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 j'allais trop... Oh, j'allais trop discuter, là. Oh, terrible. Oh, une discussion comme on en a rarement vu. Oh là là, attention. Attention, attention. Alors... Ah oui, c'est vrai que... Ouais... Mm-hmm. Alors... Voilà, c'est du one-shot. Mais Gale, pardon. Mais quelle efficacité, monsieur. Oh, la statue de gardien. Représailles, brûle. Démon. Putain, la représailles, ça fait mal, hein. Parade de projectile, pas touché. Ouais, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est joli. Les ailes. Est-ce que tu veux te transformer en blaireau? Non, vas-y, vas-y, abrège. Tabasse. Voilà, easy. Est-ce qu'on peut faire un petit soin là? Voilà, voilà. Il me semblait bien. Vas-y, Shadow Art, toi tu n'as pas besoin de... Tu vas taper de toute façon. Putain, elle va pas taper parce qu'elle a pas la distance.
J'ai fait exprès. Ah mais non, c'était Chewie d'ailleurs, c'est pas Shadow, c'est pas du tout Shadow Horse, j'ai complètement ça va bien, ça va pas dans ma tête hein. Allez, adieu. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Non mais l'acide, frérot. Monsieur, merci. Merci, merci. Ça y est, mon inventaire, ça va redevenir un bordel, vous le savez. Vous savez que c'est ce qui va se passer. Bonjour. Ça va, vous? Et là, elle le bute aussi. Oh putain, Chewie, s'il te plaît, de bonnes décisions. Ouais, 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 hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. J'adore avoir des conversations avec les gens. C'est vraiment ce que je préfère dans le jeu, c'est l'interaction et tout, vous voyez, c'est quand tu discutes avec les gens. Parce que tu peux avoir des conversations, genre, tu vois. Peut-être. Super. Super. On descend ? Chewie, s'il te plaît, fais un effort, bro. Allez, on descend. J'ai besoin que tu ailles chercher ceci. Et j'ai besoin que tu désactives ceci. Merci. On se sent mieux, on se sent mieux. On remonte. Bon, je crois qu'il est désactivé, mais ils sont pas tous les deux désactivés, il me semble. Oh, ils m'ont fait du mal, en vrai. Ils me font des dégâts. Hein. Ok. Petit saut, est-ce que je pourrais avoir, je sais pas, Gale. Je sens que Gale, la perception, c'est toi, voilà, tu vas y arriver. Tu es un moine, finalement. D'accord. Non, pas la perception, la survie. Alors que Shadow Horse, évidemment, barbare et lent, on le rappelle. Hein. Barbare et lent, voilà. Elle va forcément trouver, voilà, je le savais, c'était évident. Trop forte, cette femme, trop forte. Je pouvais pas la tester, en fait. Alors, allô? Cool. Je me rappelle plus, mais je crois qu'il y a de la bouffe en haut. Hein. On va aller chercher un petit peu ce qu'il y a dans les... C'est le flair d'élan, ça, je reconnais. Écoutez, j'ai pas les mots. Y'a de la bouffe là-dedans? Non, outil de voleur. Non, mais faites pas tous la même connerie. Soyez pas cons, bordel! Ils sont cons, hein. Ils font exprès, des fois, je me dis, ils font exprès. Je me dis, c'est sûr. C'est histoire de... Et là, je crois que ça nous mène au bosquet. Là, il y avait un coffre, non? De mémoire. Gate, vas-y, parce que c'est toi qui vas l'ouvrir, il me semble que c'est piégé de mémoire. Est-ce que j'ai la bonne mémoire? Aha! Bonne mémoire, tout va bien! Alors que maintenant, on peut se mettre à assistance, parce que l'assistance de Shadow Horse nous manque quand même parfois, on peut pas le mentir. Hein. Un nouveau bâton. Un bâton de combat. Un bâton pour... Les ailes! On est d'accord? Oui, les ailes, qui est désormais druide! Bravo les ailes, félicitations, tu as désormais un bâton. Et puis nous, on va se rebarrer en vrai. Hein. On va ressortir de là. On va repasser au bosquet parce qu'on en vient, c'est pas la peine. Non mais frère. Regardez-les faire tous la même connerie. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre! S'il vous plaît! Quelle musculature, Chewie? Quelle musculature? On va pouvoir se faire notre deuxième court repos. Ça veut dire qu'à la prochaine, c'est long repos. Hein. Ok, tout va bien, normalement c'est bon. Tam, 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 tam. C'est quel jour les live Genshin Impact? J'ai pas fait... je fais pas de live Genshin Impact, Blue Game. J'ai fait... je dois en faire un. Mais on l'a pas encore programmé, parce que je dois faire une découverte dessus. Mais c'est pas encore programmé. Actuellement, il y en a pas qui se passe... Oh! Ah oui, putain, c'est vrai, putain. Putain, mais je suis ressortie par le bosquet, j'avais dit que je voulais pas sortir par là. Je m'écoute pas. Je me suis perdue, surtout. Your mind wonders. If the
crossbow bolt shot through her mouth, would she taste the metal before she died? Donc ouais, je dois faire une découverte sur le jeu, mais on l'a pas encore programmé. Parce qu'il y a déjà pas mal de trucs qui traînaient à programmer, donc... Oui, bah non, ça m'étonnerait que Chewie soit toujours à se mettre devant, mais... Voilà, hein. Je la vois plus observer avec admiration. 1, 2, 3, 4... On va s'interposer ? Chewie, t'es sûr ? Ok, bon bah, why not, hein ? Ok, c'est vraiment une idée de merde, hein. Bien sûr, bien sûr. Mhm, oui. Tirez, il y a peu de chances que vous ratiez votre coup. On peut avoir la moitié? C'est de l'argent fictif, you know. Ah ben, c'est pas des chips fictifs. Ouais! Voleur de chips. What in every hell is voleur de chips. Damn you. Damn it. C'est ça, t'as pas les balls! Fais pas genre tu vas me tirer dessus! T'as pas envie de t'en prendre à Chewie, tu sais très bien. Regarde cette femme! Quelqu'un a envie de se prendre à Chewie? Vous avez Chewie en face de vous, est-ce que vous dites quoi que ce soit? Non! Bien sûr que non! À aucun moment! J'en sais rien moi, pourquoi on s'est mis devant? C'est un 1, c'est pas un mannequin d'entraînement mais un être vivant, voilà le problème. Oh, mais Chewie, tu fais des progrès! Non mais parfois, on l'écoute et on se dit, mais putain, mais elle a peut-être un cœur en fait! Le cœur approuve et Gail approuve, par contre les ailes désapprouvent, bien sûr, sans trop de surprise. Discuter avec elle. Bah super. Hein. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the absolute and hang you by your guts. Père un père? Père, qui est-il cet absolu qui vous tient tant à cœur, votre déesse? We're burning her name across the face of the world, we are. The absolute cool. Is gold from the sky, she is. The blessing in the sky. Oui, compatissant pour les gobelins. Oui, c'est ça, mais voilà, c'est ça, évidemment. Père un père? Père, comment se fait-il qu'elle soit incapable de vous sortir de là si elle est si puissante? Maybe she sent you to help me. Allez, bim! And you will, if you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Okay. A goblin healer. We really are desperate, aren't we? Effectivement. Banivern, vous avez entendu cette histoire à la taverne du coin, c'est ça? It's the truth. I swear on your mother's grave. Laisse ma mère en dehors de ça, là. Ce qu'elle dit, elle. Oh putain. Chewie, c'est une gobeline. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamais de la vie, croupissez donc votre cage, je m'en moque. Ouais, non, non. Ouais. Hein. Non, on est d'accord, il y a des limites quand même, Chewie. Bon, je voulais pas faire ça, moi, à la base. On avait dit... Et voilà, et du coup, bah... Ah, qu'est-ce que... Qui veut... Attends, pourquoi... Ah, Gail, qu'est-ce que tu veux, Gail? Believe it or not, but I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Comment ça? Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. Le portail béant, qu'est-ce que c'est? In Waterdeep. Oh là 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 là, Gail va nous raconter sa vie. Soyez tous attentifs. J'ai dit que je lui donnais une chance, il est moine. Père un père? Je suis pas d'humeur à entendre une anecdote. I was merely going to remark that you handled yourself pretty well. Non merde. On n'aura pas l'anecdote de Gail. Oh mince alors!
On a vraiment aucun respect pour lui, c'est un scandale. Non, c'est pas bien, les Michel, c'est pas bien. On devrait être plus gentil avec Gale. Cette démarche assurée, hein. Regardez, elle court vers vous. Hein. Après, maintenant qu'on lui a mis une petite couronne de fleurs, là, je trouve que franchement, il y a vraiment un côté assez mignon. Hein. À peu près. Éventuellement, peut-être. Qu'est-ce que vous dites? My name is Lazelk Chucky. And my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if... Vous arrêtez de vous battre, arrêtez! Ça suffit de se battre là. On va y voir là-bas, il y a les... Ah oui, il y a eux là. Oh bordel! C'est le moment. Ok, vas-y, F5, c'est parti! De finir par avoir pitié de Gale et te le faire romancer. Oh, hein. Il fait partie de ceux que j'ai jamais romancé, donc. Oui. Alors. Oui. Vous immobilisez, levez les mains. Quoi? C'est pas possible, hein. She might be a healer, Bri. C'est She pas possible, ça. Wait. The injured man locks eyes. Si t'aimes le drama, la romance gay, elle est trop cool. Les femmes d'amour sucré, là. Ah ouais. Je sais pas. Tentez de le repousser. Useless. Je te repousse. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna. New recruits. Yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. Non, I just... She will... Non. She... She... Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're... You're a true soul. Edwin, our brother. He was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Ah, ce chat, je vous jure. Il a la manie de renverser ma poubelle. Fatigante. Pardon, je sais plus où j'en suis du coup. Qu'est-il arrivé à votre frère au juste? For fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. But instead of them, Edwin found an oil bear, an angry one. We managed to drag him away, but the beast's claws had already done the work. I told Edwin not to look in that cave. It was filthy with oil bear tracks. Si c'est 8, ça relance. 6. Oubliez l'oursibou, vous êtes encore en vie, filez. Ivy, non. Bah, filez tant que vous êtes en vie, hein. And just leave Ed. Bah, apparemment. I suppose he'd want us to go on. Find a way to honor his sacrifice. May the Absolute guide us. Bien sûr qu'on va ouvrir la porte de la grange, bien sûr, Kazal, évidemment. They spoke of the Absolute, same as that goblin Sazza. Curious. Strange power resonates within the corpse. It calls to. Mais l'oursibou, je suis pas prête non plus, hein. Toys before you, to be played with and discarded when you tire. Quoi? Magie, magie! A friend calls out from the corpse, desperate to be free. Alors? Oh, s'il te plaît, garde-la, hein. On sait jamais, hein. Ça pourrait servir. Ça pourrait servir, vite fait, là. Pourquoi pas? Ouais. Bien évidemment, accepter de communier avec la larve et l'inciter à sortir du crâne. Ok.
poussité ou du génie. Miam miam, bon appétit. Alors, ah, il y avait plein de bouffe sur lui là. Si c'est pas incroyable. On va aller voir, on va voir Scratch. Est-ce que c'est le moment? Il va falloir finir par y aller de toute façon. You punish someone who wronged you? Huh? Wrong me how? Oh, say murder or theft? Shadow, c'est ces questions creepy. But theft would be paid for painfully, a thousand times over. La bouffe, pitié. Good to know. Elles sont vraiment incorrigibles ces deux-là, hein. Ah putain, c'est vrai qu'il y a eux là. Ah, je pourrais peut-être avancer ici. Un peu d'ail, un peu de bouffe. Voilà, ça fait du bien pour nos... Oula, oula, non, on ramasse pas les cadavres. On discute. On discute, hein. Je sais pas si c'est possible, Darkon. J'en ai aucune idée. Mais non, Scratch va pas finir comme Noisette. C'est pas possible, c'est pas possible. Faut qu'on regarde nos dés d'inspi, là, que je sache où j'en suis. Hop. Je vous croyais occupé à mener votre bande. Oh, tout le monde est mort. Ça y est, je commence à plus avoir d'empathie. Je finis, Chewie a une mauvaise influence sur moi, les Michel. Elle a une mauvaise influence sur moi, c'est vraiment très mauvais. C'est très très mauvais, ça ne va pas. 1, 2, 3, 4, on dirait que vous étiez mal préparé. Espèce de merde, quand on part au combat, on se prépare un petit peu mieux. Ah, merde. On discute. Non, on les tue. Arrêtez. Stupid thing to die for. Je téléponge, je vais peut-être tenter ma chance du coup. Ouais, ouais, vas-y, let's go. Ouais, on va aller chercher, t'inquiète. Pas tout de suite, mais on ira. Hein. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Bien sûr. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back. If you feel like dying. Bah ouais, c'est sympa ça. Ça m'a tout l'air d'être un piège. Ok, bon bah alors non, du coup c'est pas sympa. Les dés qui me contredisent dans mes pauvres Chewie. C'est terrible. Bah vous en allez, hein. Et bah yes. Et bah let's go. Bon bah salut. Je peux looter du coup? Ah non, mais puisqu'on est là, ce serait quand même dommage de pas looter. Même leurs potes quoi. Ils sont partis de toute façon maintenant. Ça va plus leur servir, ils sont morts. Commencez pas à me prendre le chou, là, hein? N'est-ce pas? Ah putain, c'est con qu'on a... C'est vrai qu'on a pas Astarion, du coup, y a pas d'interaction avec ceci, n'est-ce pas? Oh, voilà, un peu de viande. Ah. Père ou un père? Père? Allez, salut. C'est un sanglier mort, bats les couilles. Je m'appelle Chewie, je m'en bats les couilles de tout. Bon, en bas, il y a la grotte du truc, mais on va peut-être pas y aller tout de suite, alors c'est beau, hein. On va y aller, hein, mais peut-être d'abord on peut aller voir Scratch. Il est où Scratch? Il est par là, non? Oh, bébou! S'il te plaît, faut qu'on... Non, mais là par contre, là on s'aventure sur quelque chose de risqué, là. Mais arrête, mais putain, mais elles ne font que discuter entre elles, hein. Vous avez pas envie d'être gentil un peu l'une avec l'autre? C'est fou d'être comme ça. Je vous jure que vous, je vais faire une run où vous allez vous romancer, là. Ça suffit de vous crier dessus comme ça, là. Soyez gentil un petit peu. Il me semble de mémoire... Voilà, qu'il y a du poisson. Ouais, parce qu'on rappelle qu'on a besoin de vivre aussi, hein. Ça coûte trop cher, les longs repos, là. What does that mean exactly?
Castor will affix the Zaphisk, the Purifier, to our heads. Wait. Its magic will quell the parasite in an instant. Mm. Super les elfes. Peut-être on va y aller cette fois. Attention, je risque d'unfollow. Non mais regardez. Regardez-moi bien. Ça va bien se passer. Moi j'ai confiance parce que à un moment donné, voilà. Je pense que si ça se passe pas bien, on enverra Shadow Horse. Si, je te jure que s'il y a une interaction de Dark Urge avec Scratch, je vais m'énerver. On s'en fout, Gale. Là, c'est un sujet sérieux, c'est Scratch, ok? J'adore les demi-soulevers, ma passion. Ok. Non. Putain, on n'a pas regardé les dés. Ah, on n'a pas regardé les dés! On n'a pas regardé mes dés. Non, on n'a pas regardé mes dés. Non, mais c'est ok. Il a pas roulé, le dé, ça compte pas. Un dé, ça doit rouler. On a dit que tout le monde était recruté. C'est un compagnon, Scratch. Non, je sais que je suis en train de... Mais... Le chat. Souffle. On a dit sincèrement qu'on était obligé de recruter tout le monde. Scratch est un compagnon à part entière de notre équipe. Donc je pense qu'on devrait tous être d'accord sur le fait que les dés n'ont pas leur mot à dire. Tu vois? Les dés n'ont pas leur mot à dire parce que Scratch est un compagnon que nous avons. C'est un compagnon! Je déteste cette Dark Horde! Je la déteste! Non! S'il te plaît, Scratch, s'il te plaît! S'il vous plaît! Deux, vous accroupir et lui montrer que vous lui voulez aucun mal. Voilà, ça c'est très bien. C'est très bien. J'ai pas triché, j'ai suivi les dés là. J'ai suivi les dés, d'accord. Je suis le jeu. Le jeu est injuste. Le jeu est injuste, mais je le suis, d'accord. S'il te plaît, tu oui. Les dés ont parlé. J'ai fait le choix des dés. Je l'ai chassé et maintenant il m'aboie dessus, il est pas content. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. S'il vous plaît. Examinez plus attentivement. Around his neck is a collar etched with a name. Ok, vas-y, Chewie. Sois gentil avec Gratouille. S'il te plaît, sois gentil avec. Vous en allez. Shadowheart, recrute Gratouille. Shadowheart, s'il te plaît, on a besoin de Gratouille. Oh, en plus, elle parle aux animaux, c'est merveilleux. C'est super. Shadowheart, tu es là pour nous sauver tous. Tu es la femme dont nous avons besoin. Oh putain, oui. Il a plutôt l'air d'être... Oh non, mais Shadowheart, sans les pincettes. Il a plutôt besoin d'être enterré. Just go. I won't ask you again. Oh non, mais putain, personne n'a pris de pincettes. Non. Gale, s'il te plaît, Gale, les pincettes. Gale. Gale, console le bichou, il est triste. Gale, s'il te plaît, Gale. Tu dois nous aider, Gale. On a besoin de toi. Gale, je te jure que t'es vraiment l'homme de la situation sur cette run. On a besoin de toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le caresser. Vas-y, oui. Oui, Gale! Sauve-nous! Père ou impair? Le laisser à son chagrin. Les ailes! Nous avons besoin de toi! Tu es druide! Tu aimes la nature, les ailes! Les ailes, tu aimes la nature! Tu aimes les chiens! Tu es druide! Tu aimes la vie! Tu es le bonheur! Tu es la sympathie! Regardez les ailes, s'il te plaît! Caresse-le! Voilà, fais des câlins gratouillés, dis-lui de venir, les ailes, s'il te plaît! S'il te plaît! Les ailes!
tué la femme de la situation. Les ailes. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. Oh non, pourquoi faut le refaire? Pourquoi faut le refaire? Non. Les ailes. Ah, mais c'est pas possible. Ok. Ok. Je vais revenir. Croyez-moi bien que quand je vais avoir d'autres compagnons dans mon groupe, je vais revenir gratouille. Gratouille, je vais revenir. Je vais revenir. Je vais revenir. Point d'inspi, mais je savais pas combien il m'en restait. Je vais gratouille, je vais revenir. Il faut qu'on calcule combien j'ai de points d'inspi, ça va pas du tout. Ça. Combien j'en ai eu en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai utilisé 3 parce que j'ai dépensé 1 point d'aspi. Donc il en reste 4. Et j'en ai utilisé 1 parce que j'ai relancé les dés in-game. Donc il m'en reste 3. Il me reste tout pile 1 point d'aspi réel et 3 points d'aspi in-game. Tout pile. Pas aller contre les dés, you know. Je ne vais pas contre... Je... Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Je vais chercher Carlac maintenant. Maintenant, je vais chercher Carlac. Ça suffit maintenant. Et je vais revenir. Je vais revenir. Oh, c'est par là, hein. Ouais. Je vais revenir chercher Gratouille. Je reviendrai avec Astarion. Astarion, il adore les animaux. Astarion, c'est vraiment... C'est vraiment... il trouve les animaux à croquer. Donc on va aller le chercher. Et ça se passera bien avec Gratouille. Il est temps d'aller chercher... notre barde. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Elle ne sera pas barde. Vous allez me porter la poisse. Elle est là. Regardez cette femme. Regarde, ça va bien se passer. Ça va? One horn. This is the devil Will has been tasked to kill. Essayez d'éteindre les flammes. Vas-y. Steady on, soldier. Ah, Carlac. Ma bestie. Oh, fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Oui. 2, 3, 4, 5. En vrai dire, ça fait un moment que je n'en ai pas croisé. Great. Glad I don't have to kill you. Super! A great heat roars through you. Tellement Mad Men, je te jure. Mon sanglier, si j'ai un rappel des animaux. Il adore. As you tear through a landscape of fire and blood. Il ne tue jamais Mad Men. You saw it from above as the Nautilus passed through Avernus. This woman was on the front line. Ça va aller, Carlac, tu vas venir dans notre équipe et tu seras probablement pas barbare, mais c'est pas grave, tu seras super quand même. Tu vas être paladin. T'es ma dernière chance d'être paladin. 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous êtes une diablesse et vous avez combattu lors de la guerre du sang? Quoi? Not by choice. I'm a good skull crusher, but I never wanted to serve Zariel. From that peak I got into your head, I'm not the only one with problems on top of problems. A mind flayer tadpole, huh? And no joy getting it sorted as of yet, I see. I'm Carlac. And you are... Je me nomme Chewie, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. La solution à votre problème de larve, même si c'est pas tout pour tout de suite. Évidemment, évidemment. Really now? Eh, bonjour. Peut-être on va pêcher au Carlac, hein. Ce serait bouillant, là. Who's the goddess of luck again? I owe her a flower. Now that we're old pals... Comment ça, fuck me? Comment ça, bro? Attends, wait! A little background.
if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. Il y a pas de problème. Explique-moi tout, je t'écoute. Moi, je juge pas. Je voilà. Dis-moi tout. Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. Ma bébou. I played along until I could get the fuck out of there. It took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down, but believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Mais bien sûr que oui! Ouais, bah, je pense que de toute façon, évidemment, c'est ça qui tombe, mais... Après, je suis obligé de la recruter, donc... Ouais, on va dire oui, on va dire oui, parce que j'ai peur que sinon, ça va mettre pas l'option de recrutement. Oui, t'inquiète pas, on va y aller. T'inquiète pas. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety. Should the need arise. Moi aussi je peux faire ça. Hein. Ouais ouais, marché conclu, allez viens. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. No room in your party. What should I do? Va au camp. Retrouvez-moi au campement, bien sûr. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Mais non. Promis. We may have to increase our camp provisions now that we have Karlik along for the journey. Those muscles don't run on fresh air, I'll wager. Still, she'll be useful in a fight. Ouais, et pour te prendre sur son épaule là, non mais oh. Faut que je t'ai pas entendu. Moi aussi je peux prendre sur mon épaule. Ah, ils sont pas venus les deux autres, hein. Ils sont pas venus, ils sont restés là-bas. Hein. On va aller les chercher. Il faudrait que j'aille faire... Putain, mais regarde-les. Regarde-les. Ils font trompette. Exactement comme t'as dit, Madman. Ils ne viennent pas. Venez ici. Les ailes, s'il te plaît, saute. On va passer par là. I will only be welcomed once I obtain a mind flayer's head. Cool. C'est sympa comme club pour entrer, hein. Ah, donnez-moi des ressources. Voilà, on va passer par là, récupérer 2-3 ressources. Ouais, faudrait que j'aille me chercher soit de l'XP, soit un fight, hein. Avant d'aller au camp, et évidemment, bien évidemment. Comment ça? Ah oui, c'est vrai que c'est pas moi qui ai trop de force, c'est Shadowheart. Comment ça, force à... Quoi? What's next? Merci, Shadowheart. Heureusement qu'elle est là, hein, cette femme. Qu'est-ce que... Tell me, Gale, what is your interest in the astral plane? Time. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Oh. It will be my home soon enough. Fallen warriors, their days of glory long since passed. Je suis jamais venu là, je crois. Ok. Hein. Ici il va y avoir les ouais. Arrêtez de râler. Oh, j'ai envie d'aller à la grange. Parce que là, il y a ça, mais ça, à mon avis, le fight tout de suite, c'est peut-être un peu tôt. Hein. Ça, c'est peut-être un peu tôt. Par contre, la grange. Est-ce qu'on n'a pas tous envie d'aller voir la grange? Après, c'est peut-être un peu tôt aussi. Hein. Baladons-nous par ici. Je sais plus s'il y a un truc à récupérer là, non. Je retiens jamais les endroits où creuser ou pas. L'avantage, c'est qu'on peut rentrer.
Mais ils en ont des trucs à se dire, les Elle et Gale. Ça va, oui, on vous dérange pas? Hein? Ah non, je vous ai laissé l'aider. Go pour la grange? Ok, vas-y. On va déjà essayer d'aller chercher le couteau là-haut, là, déjà. Go la grange, ensuite on respecte Carlac, et puis voilà. Hein. Oh, ce bruit, je suis traumatisée. Ah, je suis traumatisée de ce bruit. Oh merde, je devrais peut-être le faire. Ouais. Oh bordel. You notice a peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Alors. Agrippez le manche et tirez la dague de toutes vos forces. Putain, évidemment, on n'a pas de force. Ah putain, mais c'est pas possible! Chewie! Ah, je vais pas dépenser parce que non. J'en ai pile un dans la vraie vie. Je préfère en avoir un dans la vraie vie que trois dans le jeu. De dés d'inspi, donc... Chewie, t'as pas de muscles! Pourtant, c'est Bibi, là, regardez-les! C'est pas possible! Et voilà, t'es qu'une brute! Super! Et bah, rip! Rip! Je peux même pas récupérer la viande, en plus. Genre, c'est un scandale. On ne me respecte pas! Ouvrez grand vos oreilles, les Michel. Après, il y a un monde où Chewie ouvre pas la porte. Hein. Tous ces beaux muscles ne servent donc à rien. Rattle the door. Then someone or something is having a bit of fun. Chewie. Tout va bien là-dedans. C'est plutôt clair, Chewie, barrons-nous. Vous en allez. Chewie veut s'en aller, mais oh là là! Shadowheart est piqué d'une curiosité absolument... Ah non! Ah non, c'est encore Chewie? Je peux pas avoir l'interaction avec un... Ah bah... Bah rip. Oh non, mais après, je les ai tellement interrompus trop de fois qu'en vrai, ça me fait plaisir de les laisser finir leurs petites affaires. Hein. Non mais c'est vrai quoi, vous aimeriez vous être dérangé comme ça? Non hein, laissons-leur un petit peu d'intimité les pauvres. C'est franchement terrible. C'est vraiment pas bien d'essayer de pas respecter l'intimité des gens. Oh putain, mais qui a envoyé cette boule de feu? Mais qui a fait ça? Ça m'a brûlé des mains, j'ai pas contrôlé. C'est Shadowheart, enfin. Le Igni, Shadowheart, le Igni. Mince alors. Oh la tête de Chewie. Regardez-les tous, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. J'avais pas vu cette scène. Oh mais non mais on était obligés. Maman, papa. On était obligés. Je... merde, j'ai lancé mon dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reculez lentement. Oh oh.
Mes excuses, madame. Pardon, madame. Oh, madame, je suis... Pensez-vous bien que je suis... sincèrement désolée. On va reculer, déjà. Parce que Chewie, elle est... C'est une chips, hein. Et on va... Est-ce qu'on peut l'immobiliser? Voilà, ça c'est très bien ça. Ça c'est très très bien. Et c'est déjà bien. C'est super. C'est super. Non mais il fallait pour la science. Par contre on va rester de loin. Du coup on va essayer de le démonter. Oui, on va se rapprocher pour que ce soit Gale qui soit tapé potentiellement. Parce qu'il peut encaisser bien sûr. Il peut encaisser. Ah fuck. Shadowheart, c'est le moment de te mettre en rage. Après, on avait une tenue appropriée pour les rejoindre. J'avoue. Vas-y, Shadowheart. Magnifique. Magnifique. Oula. Attention. Alors, elle gère de ouf. Elle gère de ouf. C'est maîtrisé. Shadowheart, elle a besoin de... Tout va bien. Et si... Alors, non. Oh, pardon, Gale. Pardon, tu as pris un petit coup. C'était un accident. Veux-tu bien le croire, hein? Veux-tu bien le croire, Gale? Regrettable accident, bien sûr. Hein. Putain, mais du coup, je peux même pas, genre... Voilà, déluge de coups dans ta gueule. Oh, bordel. Alors, je... Pardon, mais... Faudrait finir lui quand même. Hein. C'est un échec critique, c'est pas grave. Non, bah. Ah. Le cri de rage, il est incroyable. Ça va aller. Ouh, putain, ça va pas aller, ça va pas aller, mais c'est pas grave. Je peux piétiner animalement parce que je suis un. Tiens, mets-toi là, Shadowheart. Et fais une petite fissure là, comme ça tu te fais les deux. Deux en un. Voilà, bon, tu l'as eu lui, mais t'as raté pour... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on t'en veut pas. Attention! Les ailes... Est-ce que ça t'embêterait-il pas de mettre peut-être un petit peu de vie à Shadowheart? C'est super, merci les ailes. Et de le choper lui, là, tiens. Voilà, génial, bravo. Gale, continue les déluges de coups, là. Démonte-la. Démonte-la mieux. Ténèbres. Créature se trouve à l'intérieur. Pas d'attaque. Ouais, non, silence, ça va pas me servir. Flou. Plus 10 en discrétion. Non, mais frère, ça va pas me servir, ça. On est d'accord. Lui, tue-le, là. Non. Oh, putain de merde. Il a pas pris l'op. Oh là là, il a pas pris l'attaque d'op. Fuis, Gale. Bravo, hein. Oh non, elle est trop triste. Oh, je suis sincèrement navrée, hein. Du coup, mon arme... on est d'accord qu'elle est... Elle... Ouais, j'allais dire elle est magique, mais... C'est pas encore ça, hein. C'est pas encore ça. Vas-y, Shadow, démonte, hein. Mais y a pas une petite... Vas-y, prépare, comme ça tu vas tabasser avec toute ta puissance. Let's go. Voilà. Ça c'est... Elle est parfaite, hein. Elle est parfaite, hein. Barbare, elle est parfaite. Oh oh, elle est énervée. Je crois qu'elle est énervée, très énervée. Fuyez, pauvre fou. Ça va, elle encaisse, en vrai, elle encaisse de ouf. On va quand même la soigner, histoire 2. Et puis... les ailes. Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que finalement, t'attaquerais pas un petit peu? En devenant un loup! Essaye de ne pas faire peur à Shadowheart. Ouh, agro gros. Ah mais putain, mais c'est devenu un loup, mais je peux pas attaquer! Ah bah c'est con ça. Gale, tu t'en sors merveilleusement bien. Reviens taper, c'est pas grave si tu... C'est pas grave, vas-y. Déluge de coups là! C'est pas ouf là, c'est pas ouf Gale. Gale? Non Gale, là tu fais pas d'effort là. Il va mourir, hein. Il va mourir ce con. Faut que je lui mette un maléfice de force, non? Voilà, maintenant, effray. Je peux la séduire. Peut-être je peux tenter de la séduire maintenant que son... Oh, elle est charmée, elle est charmée, elle est charmée. Je l'ai séduite. Regardez donc. Vous voyez-vous pas comme elle est séduite?
Qui ne le serait pas à part Chewie en même temps? Qui ne le serait pas? Voilà, ouais, c'est pas encore la folie, hein. Oh bordel, Gale, il nous a quittés. C'est affreux. Bah vas-y, à gros, hein. Ouais, c'est un peu douloureux, peut-être. Il est vrai. Il est vrai, je devrais peut-être utiliser ça, hein. Alors. Bonne nuit, Neva. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit à ceux qui vont faire dodo, évidemment. Reposez-vous bien, surtout. Ouais, vas-y, Shadow, tu démontes, là, hein. Il reste UPV, vas-y. Là. Voilà. Je sauve Gale, maintenant. Super. Vous êtes parfait. Comme ça, on récupère ce qu'il fallait récupérer. Bravo à tous. On a empêché un jeune couple de faire le coït. Isolément dans une grange alors qu'ils emmerdaient personne. Bon, après, ils ont laissé quand même des cadavres derrière eux, puis il y avait de la bouffe. Et ça, la bouffe, c'est non négligeable. Hein. Ah non, 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 c'est pas négligeable. Aïe, 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 aïe. Attention, les ailes, tu fais un petit peu peur, là, en mode grou-grou. Voilà, on a récupéré du vin, on a récupéré... Voilà, finalement, super. Et ça, c'est une belle sortie. Allez, il est temps d'aller au camp. Il est temps d'aller au camp, il est temps de dire à Karlak de venir dans notre équipe, de la respect, enfin. Oh, bordel. Viens avec moi, viens avec moi. Les ailes va s'en aller. Ouais bah attends, prends pas tes levels tout de suite parce que on va aller demander à Flétrice de te changer. Faut que je lui revole les poches d'ailleurs à Flétrice. Hein. Mes chers Michel, il est l'heure. Il s'est passé tellement de choses en vrai. Le respect de notre cher Karlak. Sera-t-elle barde, comme le demande le chat? Je lance un D12, elle ne peut pas être barbare, clair, druide, moine, rôdeur... Ouais, rôdeur, occultiste. Donc elle peut être barde, guerrier, paladin, pitié, paladin... Roublard en sorcelaire ou magicien. Il reste la moitié des choix. Pour notre cher Karlak. On souffle, ça suffit. Je vous mets les dés. Sois 7, s'il te plaît. Fais un 7. Putain, 6. C'est moine. Ça, elle ne peut pas être moine. 7, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En sorcelaire. Après, la classe est incroyable. J'ai adoré jouer en sorceleur. J'avais fait dans ma première Dark Urge. Mais Karlak ne sera pas barde. Elle ne sera pas barde comme vous le vouliez. Et elle ne sera pas paladin comme je le voulais. Je... Voilà. Hein. Karlak en sorceleur, finalement. Eh bien, bienvenue. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah merde, j'ai pas confirmé. Merde. Si, j'ai confirmé, c'est bon. Attends, si. Merde. Oui, c'est bon. Merveilleux. Oh bordel. Les sorts. L'armure, il me semble que pour le coup, c'est pratique parce que vraiment, t'es une chips. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est ça, ouais. Je peux en choisir deux, sorts jumeaux, ouais, c'est genre un sort qui peut normalement cibler qu'une personne, va en cibler deux. Ça, c'est pas des trucs en vrai que... Dans tous les cas, je peux les changer des niveaux après, donc on va pas forcément les mettre avec les dés, je pense. Les alliés réussissent automatiquement leur jet de sauvegarde contre les sorts quand il leur faut en jouer. Augmente la portée des sorts de 50%, double la durée des états. Vas-y, augmente la portée, on va mettre. Et voilà. Je lui ai mis qu'elle se cache, je lui en ai pas mis encore.
Ben, je crois. Si, j'en ai mis. Ah merde, c'était dans le... Ah merde. Attends. J'ai validé trop vite, je crois. Je vais pas choisir. Ah merde, non, pardon. Alors, ensorceleur. Oui, non, effectivement. Reprenons, reprenons. Enfin, je veux vraiment que je récupère Mathieu Naflétrice. Je me disais aussi. Ok, la sous-classe. Pardon, c'est pas la triche. J'ai oublié. Lignée draconique. Oh putain. Oh, elle est trop belle. La puissance de la magie draconique court dans vos veines. Vous la tenez de l'un de vos lointains ancêtres qui n'était autre qu'un dragon. Merveilleux. Putain, elle a des écailles. Oh merde. Ok. Ça par contre, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, D10. Il est où mon D10? 1. Et ben voilà. Ascendance draconique rouge, le feu. Merveilleux, ça lui va bien. Ça lui va bien. Lignée draconique. Incroyable, mais putain, je peux vraiment la personnaliser avec des écailles. Mais arrête. Oh. Ouais, ça brille peut-être un peu trop. Après, peut-être tu peux mettre un rouge un peu plus... Ça lui va trop bien! C'est le but le plus fort! Oh, let's go! Putain, j'ai enfin de la chance! Oui! Elle est trop belle! Oh là là, Carlac, pardon. Par contre, il faut mettre quoi? C'est non, c'est pas sagesse. Charisme, c'est... C'est quoi, les ensorceleurs? C'est beau... Si, c'est de la sagesse, non? Ah non, c'est pas ça, les sorts d'ensorceleurs? Ah non, c'est druide, rôdeur, éclair. C'est de l'intelligence? Le but le plus fort sur l'une des classes les plus forts. Let's go. Putain, enfin encore un... Enfin un peu de chance. Il va y avoir un doublon de sort de charisme avec ton warlock. Wow, c'est pas très grave. Hein. C'est du charisme? Ok, bon, d'accord. Charisme et... Ok, ok, ok. Bon, charisme, il est au max, donc let's go. Hein. Rien ne dit qu'elle sera dans l'équipe. Vous voulez pas que j'ai un peu de chance, là? Un peu... Ok, bah vas-y, on laisse ça. Je touche pas et au pire, on me dira plus tard. Oh, Carlac, mais quelle bombe! Incroyable, hein. Le niveau 2. On va se prendre un petit sort. Du coup, l'armure, j'ai pas pris. Métamagie, du coup, on avait dit sort jumeau et ample. Et c'est très bien. Elle a trop slay de ouf. Ensuite... oh putain, il y a foulée brumeuse. Quelle vie, mais quelle belle vie. Petite foulée brumeuse, là. Moi, j'aime bien. Ah, oh, ou alors je prends ça. Parce que agrandir ou rapetisser, c'est trop bien dans le sens où si tu restes en arrière, parce que de toute façon c'est une classe qui se joue pour moi en arrière, t'envoies ça et tu le mets sur Shadowhands, Barba ou Gale, Moine, tu le mets en immense. Faut voir. En support, ça peut être pas mal. Au pire, je changerai les sorts selon qui est avec moi dans l'équipe, tu vois. Parce que c'est en partant du principe qu'on les a eux dans l'équipe aussi. Donc bon. Là, je peux en remettre un. Sort étendu. Intensifié. Les cibles de sorts nécessitent un jet de sauvegarde. Un désavantage. Les sorts nécessitant une action en temps normal ne demandent plus qu'une action bonus. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est bien ça. Elle a pris ça. Ok, on va essayer de laisser ça comme ça. Oh, mais quelle belle gosse, en vrai! Trop belle. Là que je viens dans ta tente quand tu veux. Bravo, hein. Bravo, bravo.
Alors, faut que je redemande à les ailes de revenir dans le groupe. On va passer la nuit et puis... ah oui. Mais ça va, je la respecte, Carlac, je la respecte quand elle veut. Il n'y a pas de souci. On se respecte avec Carlac. De quoi tu te mêles Allez, viens et au revoir, Carlac. Il est temps de passer notre deuxième long repos, ce qui veut dire qu'on va devoir changer de groupe au réveil. Oh bordel. Ah oui, putain, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, forcément. Attends, quoi? J'avais pas pensé à ça. Oh, s'il faut qu'il y en ait un des deux qui meurt, c'est Will, hein. S'il te plaît, les deux. Non, non, mais ça va bien se passer. On va discuter. Non. Non. Non, non, je refuse. Pitié, les dés. Pitié. Pitié. Putain. Ah. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ne laisse pas de choix, pas de dés. En fait, je sais pas si on compte qu'elle est déjà... Ah, vous avez pas vu? Je sais pas... Qu'est-ce qu'on fait avec cette action? Parce que... Elle vient... En fait, le truc, c'est ça. On est obligé de recruter tous les persos. Mais après, ce qu'il en découle, techniquement, c'est au dé, tu vois. Techniquement, c'est au dé. Donc... On n'a pas vu, je relance. Merci beaucoup, Shinogitsu, pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Écrit pour les enfants, mais je suis pas trop certaine de la blague, Shino, fais gaffe. Hein. Elle est dans ton camp, donc ouais, ouais, non, là maintenant elle y est dans son camp. Donc là, c'est les règles, hein. En vrai, si on avait recruté avec Will, ça aurait réglé le problème. Ah oui, si on était allé chercher Will avant Carlac. Enfin, Carlac avant Will. Ah putain, j'avais pas réfléchi à ça. En vrai, est-ce qu'on peut faire un sondage? Parce que j'avoue que je suis perdue entre le « c'est le jeu » et « putain, j'aurais dû peut-être recruter Carlac avant », mais entre le fait que oui, putain, si j'avais recruté Carlac avant Will, effectivement, il n'y aurait pas eu cette interaction-là, tu vois. Est-ce que ça vous va si on fait un sondage? Et c'est vous qui décidez comme ça dans tous les cas, et on... Soit on fait en sorte que l'interaction-là se passe bien, et comme ça, voilà, soit c'est les dés qui jouent. Comment le sondage tu mets genre tu mets on skip, enfin genre je sais pas comment on peut dire ça, mais genre 1 Yuno décide, 2 les dés décident, c'est le jeu quoi pour cette interaction là. Quelque chose comme ça c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Parce que j'avoue que je suis un peu perturbée entre les deux pour que... Il y a une partie de moi qui est là en mode putain c'est le jeu. Et il y a une partie de moi qui est là en mode putain oui mais non, si on l'avait fait dans l'autre sens, il n'y aurait pas du tout cette interaction comme ça. Tout irait bien. Donc voilà, c'est vous qui voyez et de toute façon ouais, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer et qui font que l'un ou l'autre ça se passe mal. Hein. Donc voilà. Je serai dans le jeu. Je serai bonne joueuse. Et c'est le chat qui décide là-dessus. Et ce sera comme ça, je pense, au long de l'aventure. Évidemment, c'est vrai qu'il y a des questions sur lesquelles on ne s'est pas forcément posé.
Quand il y aura ce genre d'action, on fera un... ou de questionnements qui se feront. C'est vous qui déciderez sur le moment, évidemment, pour trancher, n'est-ce pas? Et moi, j'en profite pour boire un coup. Au pire, on expose Gale en compromis. Mais pourquoi, pauvre Gale? Ils auront le temps de se trucider pendant qu'on part en vadrouille. C'est ça. Après, il y en a plein des interactions qu'on pourra pas éviter. Tu vois, genre celle avec Astarion, on pourra pas l'éviter. Celle avec entre Shadowhearts et les elfes, moi, je la crains de fou. C'est déjà bien marrant, donc pour moi, tu décides. Ouais, il s'est déjà passé plein de trucs qui nous ont mis dans la merde, en vrai. Mais... après, c'est ma faute, j'avais pas anticipé, donc je comprends ceux qui mettent aussi les dés décident, et tant pis, tu vois. Il y en a qui veulent me voir douiller, et c'est tout. Et je viens d'avoir un petit espoir de... oh putain, j'ai une Carlac avec une bonne classe, let's go. Voilà, quoi. Bonne fin de run, Shido. Encore merci pour le resub, évidemment. Aïe, 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 aïe. Ouais. Moi, je vais juste garder Carlac. Après, il y a tellement de choses qui font qu'on peut la perdre quand même. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et encore, c'est pour ça, dans la Darker, je vous avoue, quand j'ai fait les règles, c'est pareil. J'étais là en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des personnages? Moi, je trouvais ça mieux qu'on puisse toutes les recruter. Mais Carlac, tu peux ne même pas la recruter, puisque tu vas voir les paladins avant. Sans spoiler quoi que ce soit, tu peux ne pas la recruter, Carlac. Hein, Ok, Mar, you know. Merci le chat. Merci. Donc bon. Je vais faire en sorte que l'interaction se passe bien. Et après, les dés reprendront la main, évidemment. Well, not counting the fuckers that... Arrêtez, soyez pas... Arrêtez, Will, arrêtez, arrête de râler, frérot. You'd cut a child's throat just to non. Elle est tellement belle avec ses petites écailles de dragon, là. A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Carlac. Merci pour le sondage, évidemment. Arrêtez! En plus, Will, il est rôdeur. Non, oui, il est rôdeur. Il est trop sexe avec ses écailles. Ah, mais là, madame, bonsoir. Hein. Arrête, Will! Tu râles pour rien! Moi, ce qui me détruit dans cette interaction-là, c'est vraiment le truc de... Oui, il est là en mode, ouais, je suis pas content, je suis énervé. Puis après, il est là en mode, oh mince, terrible. C'est vrai, vous aviez raison, effectivement. Bah oui! Alors. Ouvre les yeux, Will, ça suffit! Je pense que je sais ce que je vais faire pour les règles. Alors si j'y arrive, je vais faire une note, mais tu sais, en... je réfléchis à ça en même temps. En image. Comme ça, ce sera une image upload sur laquelle il y aurait les règles. Je pourrais peut-être faire comme ça pour essayer de contrer Wizbot qui veut pas mettre la commande. Ça ferait une grosse image, mais peut-être que ce serait possible. Ouais, Carlac est pas dangereuse. Allez, hop, voilà, ça se passe bien, tout va bien. On a repris la main sur les pulsions, moi. Aïe, 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 aïe. Will, non, c'est un démon, Will aussi. Non, c'est mon ami, c'est exactement ça, de ouf. Ouais, ça peut être une bonne idée, en vrai, pour contrer, hein. Vous avez lu les pensées, elles ne représentent pas le moindre danger pour la côte des épées, voilà. Ça suffit. Tout le monde approuve en plus. Tout le monde. Vous voyez pas, mais tout le monde approuve. Même Astarion, c'est dire. Parce que lui, il approuve pas grand chose. Non. Shit. J'ai aussi. Shit. Oh, ça aurait été tellement plus facile si je pouvais vous buter, merde. You really are no devil, are you? Bébou Carlac. I've been deceived. Oh, thank the gods.
Allez, voilà, on est tous amis, c'est merveilleux. Maintenant, on peut retourner laisser les dés décider de... des mauvaises décisions qui viendront la prochaine fois. En vrai, c'est passé des dingueries. Hein. Je pense qu'on va passer la nuit et on va faire notre groupe pour la prochaine fois, si ça vous dit. Comme ça, on saura avec qui on part. Alors, hop. Gladwell saw sense. Even more glad he decided to stick around. Ah mon dieu, cette situation nécessite réflexion. Je ne peux pas prendre de décision de manière... voilà. Bon, on est reparti. Je le surveille de près, s'il essaie encore de s'en prendre en vous, je le tue. Et bah voilà. Ça, ça ressemble à Chewie finalement. Elle est trop belle. Mais elle est déjà trop belle, hein, mais là... Plus, did you see his eye? Bet there's a good story there. Aïe aïe aïe, eux c'est pareil, je les ship tellement. Encore une fois, les enemies to lovers, hein, c'est terrible. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Quelqu'un vous a lancé sur les traces de Karlach, j'aimerais bien savoir qui. Karlach n'est pas le seul qui a eu un knife villain's knife held to their throat. Ah non, ça lui irait bien les écailles aussi. Potentiellement, ouais, j'avoue. Je fonds devant son charme. Ça va aller, Lucia, ça va aller. Respire, respire. bien, je mérite d'obtenir des réponses. Dites-moi tout, Will, ça suffit les cachotteries, hein. Ok. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. On fera des dialogues la prochaine fois, on aura bien l'occasion. Bonne nuit, repos total. Aïe 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 aïe. Mes chers Michel, il est temps de construire notre groupe. Combien sommes-nous en tout ? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, super! Je lance le D8 pour fonder notre groupe. Sachant que du coup, Chewie c'est... Ah ben non, mais du coup 6 en fait. Je lance un D6 et les compagnies Chewie elles comptent pas. Donc Shadow Horse 1, Gale 2, les L 3... Astarion 4, Will 5 et Karlach 6. Ouais, voilà, c'est 6 sans moi, oui, effectivement. Ok. On va lancer le dé 3 fois. Les 3 numéros qui tombent viendront avec nous. C'est parti. Le 4. Astarion sera donc de la partie. Ok. Astarion. Karlach sera donc de la partie. Le 6. Répète les numes. Globalement, alors oui, c'est vrai que vous, vous avez les dés devant, mais moi j'ai vu, en gros, c'est 1 Shadow Horse, 2 Gale, 3 les ailes, 4 Astarion, 5 Will, 6 Karlach. On a Astarion, on a Karlach. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Maintenant, petite Shadow Horse, c'est bon. Shadow Horse, c'est bon. 4 de nouveau. Non, ça peut pas être Astarion 2 fois, frère. Abuse pas. Non, Astarion 3 fois. Non, mais toujours plus. 2. C'est Gale. Donc Gale reste avec nous. Nous perdons Shadow Horse et les ailes. Au profit d'Astarion et de Karlach. Ah merde, attends. Astarion! Putain! Le Shadow Horse! It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Oh bordel! Allez, viens, Astarion! On a un cléric dans l'équipe, youpi! Let's go! Intimate. Allez, viens avec nous, prends la place dans mon cœur. Ah! Mais oui, il est clair! C'est pour ça qu'il a les fangs de Shadow Horse. Et donc,
Carlac, ma chère, tu vas pouvoir prendre la place de Lezel. Hey, soldier. Ça va en vrai en termes d'équilibre. Bon, juste les dégâts, mais on a Gale qui est moine, donc en soit, c'est pas mal, hein. En vrai, on a. Bon, du coup, occultiste avec. Donc, on a distance un petit peu, sort avec Chewie. On a les points et le corps à corps avec Gale. On a le soin avec Astarion. Et avec Carlac, on a pareil, les sorts et un peu les. Oh, c'est pas mal en vrai. Ah, la team est pas mal. La team est pas mal. Ça va. Astarion, s'il te plaît. Regardez-le. Asta Hurts, ça lui va bien. Adjuché. Regardez. Je serais capable de ne pas changer ce game. C'est son armure de toute la run, juste parce que c'est trop drôle. De le voir comme ça. Oh putain. On va garder ça parce que c'est pas mal. Bah, du soin de toute façon. Hein. Ouais, non, en vrai, c'est bien. Hein. Shadowion. Bon, et bien sûr, ce. Il est l'heure de sauvegarder. Nous avons notre team pour la suite de notre aventure qui aura lieu, bien évidemment, dimanche. À partir de 17, je crois que j'ai mis. Je sais plus, 17, 18, je ne sais plus. Mais nous partirons la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Ça va être exploration, là. On va commencer à se rapprocher des gobelins et tout. Peut-être aller faire un tour du côté des gnolls. Peut-être faire un tour du côté de Tatsietel. Je sais pas trop qu'est-ce qui est le plus worst en termes de level. Parce que bon, on n'est pas quand même... je sais pas où on en est là, mais ouais. Voilà, on n'est pas encore... mais pas encore level... on est level quoi? On est level 3, ouais. Level 4, ça ferait plaisir pour avoir un petit don avant d'aller se taper des trucs. Voilà. Hein. Déjà fini. Bah déjà fini, les gars. 4 heures de live. Hein. Plus de 4 heures de live. Voilà. Hein. Ça passe vite, mais il y en a deux épisodes cette semaine. Deux épisodes, on se retrouve dimanche, ça va aller super vite. La dernière fois, c'est vrai que c'était long, parce que du coup, il y avait la semaine, mais là, voilà. Hein. On fera pas la crèche c'est ce que je disais, je pense qu'on fera la crèche. Mais il y a un monde où on fait les deux. On fait et la crèche et les tréfonds obscurs, parce que les deux sont intéressants, en vrai. Donc, en termes d'interaction, voilà. Il est possible de faire les deux, donc peut-être on fera les deux. On verra. À tout dragon, c'est... Franchement, il s'en est passé des choses aujourd'hui. Hein. Il s'est passé beaucoup de dingueries. Hein. On parlera pas de Noisette. De Arabella. De Nettie. Que nous avons malheureusement perdu. Malheureusement. En réalité, on l'a pas vraiment perdu parce que, figurez-vous, il me semble... Voilà, elle est dans les poches de Shadowheart. Mais tout va bien. Tout va bien. La suite de nos aventures, la prochaine fois YouTube, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que ça vous plaît toujours cette aventure. Franchement, moi j'aime beaucoup le concept. Et on se retrouve très vite évidemment pour la suite des aventures. Bisous.